Nous sommes là depuis ce matin quand on est arrivé, c'est pour effectivement participer à cette commémoration 21 ans auparavant où il y a eu donc un accord de paix pas loin d'ici à Abra. Et pour si je peux parler de cet accord a eu lieu entre Djiboutiens puisque le conflit a éclaté entre Djiboutiens. Et qu'il soit du gouvernement ou qu'il soit de la rébellion armée, c'était tous des Djiboutiens et c'est la raison pour laquelle les Djiboutiens ont préféré faire la paix entre eux au lieu de qu'il y ait une troisième personne, un intermédiaire pour faire la paix comme ça se passe ailleurs en Afrique et dans le monde. Ici, les accords de paix d'Abra ont eu lieu entre Djiboutiens. Et ces Djiboutiens, depuis 21 années maintenant, tout marche bien. Et le fruit maintenant participe aux affaires du pays. Et tout se passe bien, même si vous demandez aux combattants du fruit, ils ont toujours des petites plaintes. Mais en général, tout s'est très bien passé. Et l'accord tient encore jusqu'à maintenant. Même si par la suite, il y a eu quand même des accords, mais le plus important. Le plus important, c'était celui d'Abra, puisque c'est là où il y avait le plus de combattants, c'est là où il y avait plus de chefs militaires. En réalité, le FRUD dont on parle, qui ont pris les armes dans les années 90, ce sont ceux-là. Ceux qui sont ici, il y a des combattants que je voyais de loin, donc ce sont tous des gens de cette localité. De la localité de Tadjoura, de la localité de Bok et de Dikil. Mais tout le monde, c'est les accords d'Abra a vraiment scellé les accords de paix entre la rébellion armée et le gouvernement.